Bon, merci. Go. Bonjour et bienvenue à cette finale locale de secondaire en spectacle de la cité étudiante de la Haute-Gatineau. D'abord, quelques petits conseils de sécurité, juste pour être sûr, si jamais il y a une alarme ou que vous trouvez les humoristes tellement pourris que vous voulez vous sauver en courant tous en même temps, il y a des portes de sortie de secours qui sont bien indiquées là. Vous pouvez sortir par là, vous pouvez aller par là, vous dirigez vers l'entrée principale ou la cafétéria, il y a des portes de sortie un peu partout. Maintenant, voici un petit vidéo de présentation de Kevin Raphaël, porte-parole de secondaire en spectacle. Yeah! On y est, secondaire en spectacle, c'est les finales. Là, il faut être chaud, faut faire du bruit, faut briser la cabane parce que les gens sont en arrière puis ont hâte d'embarquer sur scène pour vous montrer leur talent. C'est la finale de secondaire en spectacle. Moi, Kevin Raphaël, en tant que porte-parole, je suis fier. Eux sont fiers. Le Québec en entier est fier. Allons-y parce que le spectacle commence maintenant. Non, pas de suite, tu fais pas assez de bruit. Je t'ai demandé de faire du bruit. Le spectacle, fais du bruit. Un, deux, hey! OK, le spectacle commence maintenant. Bon spectacle. Donc, peux-tu m'en remettre les spots, moi? Merci. Je ne vois pas mes cartons. Donc maintenant, certains de vous étaient là l'an passé, ils s'en souviennent, le talent et les efforts de nos jeunes avaient réussi à nous rapporter ici la bannière de la meilleure finale locale en Outaouais. Donc, on applaudit nos jeunes de l'an passé. Merci, Josh. Donc, là-dessus, on avait eu plusieurs jeunes là, qui avaient été récipiendaires à la finale régionale. On avait Abigail Langlois, qui avait remporté deuxième meilleure artiste en Outaouais. Elle avait remporté une place pour aller chanter au Festival international de la chanson de Granby et une place au camp chanson Petite Vallée. Donc, bravo Abigail. On avait Laurie Toussaint avec nous, qui avait gagné meilleure jeune organisatrice. Oui, ça va à peine. On avait Wesley Boileau avec nous, qui est toujours avec nous cette année, qui avait gagné meilleur jeune technicien, qui avait aussi gagné le prix Pro Son pour un stage professionnel dans un grand spectacle. Et finalement, on avait Marc-Olivier Lampron et Joshua Lacroix qui avaient été nous représenter aussi en gagnant meilleur jeune maître de cérémonie. Donc, tous ces gagnants-là et encore plus de jeunes, par la suite, on a pu tous les apporter au grand rendez-vous pan-québécois qui avait lieu à l'Assomption pour nous l'an passé. C'était une expérience incroyable, une journée de formation qui se solde sur un méga spectacle. C'était vraiment mémorable. Je pense que la plupart des jeunes, la plupart de la gang ont hâte d'y retourner, ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, de venir aussi pour la première fois. Donc, je vais vous montrer un petit aperçu de quoi ça a l'air, un grand rendez-vous pan-québécois. Donc, vous serez invité tout au long du spectacle à prendre des photos ou des petites vidéos pour partager ça sur les médias sociaux. Vous pouvez ajouter pour nous aider le hashtag secondaire en spectacle, hashtag CEAG, hashtag Studio Mustang. Vous avez les noms là, de nos pages Instagram ou Facebook de secondaire en spectacle et de la CEAG.
Finalement, comme vous le savez, secondaire en spectacle, c'est un show pour et par les jeunes. Donc, je pense que c'est important de vous dire avant, d'abord, on a des jeunes partout. On en a au son, on en a à la lumière, on a des techniciens de scène, on a des organisateurs. Vous regarderez la déco que les organisateurs nous ont faite. On a des artistes, on a des journalistes. Ils participent à tous les niveaux. Je pense qu'il est temps que je leur laisse la place. On peut les applaudir, oui, définitivement. C'est la première année qu'on se paye un show de lumière. L'année prochaine, je vais mettre des lunettes de soleil. Ça, je vous... Donc, il est temps que je leur laisse la place. Alors, je vous prierai d'accueillir chaleureusement vos deux maîtres de cérémonie pour la soirée, Raphaël Pelletier et Zara Dubuc. Bonsoir, mesdames et messieurs! Je me présente Raphaël et je suis en compagnie de Zara et nous serons vos maîtres de cérémonie pour la soirée. Ce soir, ce sont 13 élèves talentueux de l'école qui auront l'opportunité de s'épanouir sur scène et d'expérimenter le monde du spectacle. Ce soir, deux numéros de toutes catégories confondues seront choisis par les membres du jury pour représenter la cité étudiante de la Haute-Gatineau lors de la finale régionale qui aura lieu le 5 avril à la salle Jean-Després. Tous les numéros seront en compétition pour l'une de ces places. Veuillez noter que le numéro suivant, « Je voudrais voir New York » et « When All We Knew Was Us », interprétés par Megan Langevin et Abigail Langlois, seront hors concours. Soulignons la présence des quatre membres du jury qui auront la lourde tâche de déterminer les quatre lauréats de la soirée. Lynn Mascotte, coordonnatrice du programme secondaire en spectacle pour loisirs, sport, Outaouais. Audrey-Anne Paquet, ancienne coordonnatrice du programme secondaire en spectacle et agente de développement à la ville de Gatineau. Marc Delorme, directeur par intérim à l'établissement de la Gatineau. Et Natacha Desjardins, agente de communication pour la MRC Vallée de la Gatineau. Après avoir franchi l'étape des finales locales, les gagnants des finales régionales se tailleront une place pour le rendez-vous pan-québécois qui se tiendra à Laval du 1er au 4 juin. Bonne soirée! Excuse-moi! Il s'agit du plus grand rassemblement d'artistes amateurs du secondaire au Québec. Excuse-moi! Votre soirée sera pigmentée par l'équipe d'animation qui court elle aussi la chance de se rendre à la finale régionale ainsi qu'au rendez-vous pan-québécois. L'équipe est composée de Marc-Olivier Lampron, Joshua Lacroix et Aymeric Saint-Martin. Leur rôle sera de vous divertir pendant les transitions techniques. L'équipe technique est composée de Derek Néron, Jesse Clément, Jackson Hardis, Maverick Stozic, Wesley Boileau, Samuel Fournier, Michael Reynaud et Molly Carl. Et nous tenons aussi à souligner le beau travail effectué par les jeunes organisatrices qui ont, avec la chance des responsables du programme, planifié et réalisé le spectacle que vous apprêtez à voir. Il s'agit d'Olivia Lacroix, Miley Monette, Étienne Blais et Molly Carl Duquette. Remercions également les jeunes journalistes qui travaillent fort à la couverture journalistique de l'événement. Merci à Ariane Chalifou et Anne-Sophie Blanchette. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés pour apprécier et encourager la passion locale de nos jeunes artistes. Bon spectacle! Donc, pour débuter le spectacle, voici Christopher Moore qui interprétera à la guitare rock and roll de Led Zeppelin. We'll be right back.
petite, Chris. Allez, boys, vous devinerez jamais ce que j'ai vu en m'en venant ici. Quoi? C'est un hibou qui s'est fait mal à la rampe pis il bouette. Hey boy. Émeric, juste. Ouais, come on. OK, non. Les boys, je pense vraiment qu'il faudrait se trouver une idée pour secondaire en spectacle parce que c'est certainement pas avec les lapins de l'année passée qu'on va se rendre loin cette année. Là. Tu voulais qu'on fasse secondaire en spectacle? Ouais. Ah, je suis down, mais on n'a pas vraiment de talent. Fait qu'est-ce qu'on fait? De quoi on n'a pas de talent? On a plein de talents. Comme quoi? Ben, tu sais, on pourrait faire genre... C'est ça. T'as aucune idée de ce qu'on peut faire. Ben, on ferait certainement pas de l'humour avec ta joke de marde. Wow, wow, marde. Ma joke de bouette, il bouette. Ah non, non, non. OK, les boys, un peu de concentration, là, ça nous prend de quoi de concret pour secondaire en spectacle. Là. Ouais, faudrait vraiment aller réfléchir puis revenir là avec une bonne idée. Fait qu'on va revenir. Ouais, je suis d'accord. Hey, Marco... Tu veux une autre joke? Non, je pense que ça va être bon. Non, c'est correct, Émeric. Écoutez, les gars, là, vous avez un spectacle entier pour savoir quel est votre talent. Fait que je vous souhaite bonne chance. Mais pour le prochain numéro, Anaïs Béliveau vous performera Premier amour de Nour. Premier amour, je t'aime.
cœur brisé, je dois t'oublier. Premier amour, Anaïs, pour cette magnifique performance. Maintenant, Maëla Lief, Chabot Roy et Annabelle Gagnon-Anlan dansons sur la chanson « Plus rien » des Cowboys Fringants. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englutilisé et que les inondations ont frappé les grandes villes, et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Hey boys, je sais ce qu'on va faire en secondaire en spectacle qui passe tout le temps. La musique? Aimerais que t'es encore en retard. Ouais, désolé. Tu disais quoi? On va faire de la musique! Ah! Oh, hey, ça tombe-tu bien, toi?
J'ai commencé à jouer du ukulélé tout à l'heure, là. Honnêtement, t'as pas meilleur que moi. Tu veux, Emeric? On t'écoute. Je la dédie à mon père. OK, Emeric, premièrement, un ukulélé, c'est un instrument d'enfant. Deuxièmement, si tu voulais impressionner le monde, ça t'aurait pris un instrument d'une grandeur normale avec 6 cordes. Troisièmement, t'as aucun talent. Puis quatrièmement, est-ce que tu l'aimes vraiment, ton père? Ouais. Mais toi, Marco, t'es pas mieux. T'as aucun instrument. Ah ouais, check ça. Oh! Voyons, Marco, tout le monde capable de jouer du triangle. Voyons donc, Josh, t'es bien épais. C'est une cloche à vache. Ah ben oui. OK, mais est-ce que c'est tout le monde capable de jouer une cloche à vache comme ça? Non, 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 OK, c'est beau. T'as pas de talent, pis t'aimes pas ton père. Toi non plus, t'as pas de talent, mais moi, au moins, je sais faire quelque chose que le jury adore. Je sais chanter. Voulez-vous voir ça? OK, let's go. Écoutez ça. Elle pensait qu'on était rendu amis, mais je pense pas qu'elle a bien compris. Oh non, she used to be ma copilote. Oh non. OK, fait que t'as pas plus de talent. Hey. Ben un peu quand même. Clairement pas, là. En plus, t'es triché. Ça. Allez, boys, la musique, c'est vraiment pas notre cadre, là. Honnêtement, on devrait clairement faire d'autres choses. Ouais, je suis d'accord. On va revenir. Yes. La chanson maximum 3 sur 10. Je sais pas pour vous, là. Moi, je dis qu'on parle les enchères. Qui dit 3 sur 10? Ah, ça, c'est ma gang! Qui dit 6 sur 10? Oh, Seigneur! Qui dit 9? Ben, écoute, tu vas avoir la chance d'avoir un spectacle entier pour savoir c'est quoi un vétéran, OK? Mais pour la prochaine, je vous présente Cassiopée des Arbres qui vous fera entendre la chanson Je vole de loin. Chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée et sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée et sans alcool, je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est
dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. La 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 la. Merci. Merci beaucoup, Cassiopée, pour cette belle dose d'émotion. Poursuivons avec un numéro d'acro-gym humoristique représenté par Joshua Lacroix, Marc-Olivier Lampron, Audrey Daigle et Aymeric Saint-Martin. Bonne chance à vous, cher public, vous n'êtes pas prêts. Bonjour tout le monde. Je suis venu ici pour vous raconter une petite histoire. Le titre, c'est « La quête du biscuit soda ». C'est l'histoire de trois tortues qui cherchaient désespérément à manger des biscuits soda. Ils décidèrent donc de se rendre le plus rapidement possible au supermarché du coin. Comme à l'habitude, la vieille Ginette, la caissière, les accueillèrent avec son beau sourire. C'est alors qu'ils remarquèrent que Justin Trudeau est en train de voler les derniers sacs de biscuits soda. Voulant rattraper Justin Trudeau, qui était déguisé en noir, ils firent appel à leurs amis de longue date, Grégory Charles et son piano magique. C'est alors que Grégory se mit à jouer de son instrument magique et Justin ne put s'empêcher de chanter. Justin laissa donc tomber ses biscuits soda et les tortues prirent leurs jambes à leur cou pour les récupérer. Malheur! Ce n'étaient que des simples estas et non de vrais biscuits soda. Les tortues en colère appelèrent Will Smith pour donner une grosse claque au méchant Justin. C'est ainsi que l'histoire se termina dans la tristesse des tortues, mais dans l'arrestation du méchant Justin. Cette belle dose de gymnastique humoristique, c'était excellent. Voici maintenant Christina, non, c'est pas vrai, c'est Mélina Barbier qui jouera la guitare Hotel California des Eagles.
encore l'autre. Quoi qu'il y a, Juliette? Je me suis trompé avec la grande Joanie. C'est quoi ça, Juliette? Sophie est même pas si grosse que ça. Et en plus, c'est du body shaming. Ça se fait pas en 2023. T'as ma grande, c'est pas ça l'important. Tu le disais ou pas? Non, mais c'était juste une fois au chalet. C'est juste un ami. Un ami, c'était un ami. Un ami. Oh, maudit, toi! J'étais prêt à tout pour toi, mon amour. M'accorderais-tu ce beau baiser? Oh, merci! Oh, 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 c'est quoi que tu fais? C'est une répétition. C'était super bon! Non, c'était vraiment trash. Ça passera jamais en secondaire en spectacle. OK, mais pour vrai, qu'est-ce que les artistes y font quand ils n'ont pas de talent? Ah, j'ai une idée, les boys. Venez, on revient. Qui chantera et interprétera à la guitare Perséide d'Ariane Moffat. Thank you.
Christina pour cette belle prestation. Poursuivons avec Annabelle Gagnon qui chantera « Si jamais j'oublie » de Zaz. Drag Queen 2023. Veuillez accueillir Coco Winter, Evie Fox, Trinity Knight, oups. Ooh. Spin move. 1, 2, 3, changement de pose. 1, 2, 3, changement de pose. Coco, qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est pas une compétition de bodybuilding déguisé? Non, on est des drag queens. Ah, sorry, babe. 1, 2, 3, changement de position. Trinity, c'est quoi ça? T'as même pas les jambes rasées.
T'es chanceuse que j'ai apporté mon clipper. Hey! Evie, tu feras ça après, là, pas tout de suite, là. Voyons donc. C'était pas beau. OK, un, deux, trois, changement de position. Mais dans le fond, une drag queen, ça fait quoi dans la vie à part ça? Pas grand-chose, je te dirais. Faudrait pas mal juste tu souris. Ouais, Coco a raison. À part chialer, être beau ou belle, ça dépend. Puis avoir des likes sur Instagram, mais ça fait pas grand-chose, une drag. Ouais, mais je pense qu'on va être bon de gagner avec ça. Let's go, les filles. Un, deux, trois. Là, Rita Baga, next level, on s'entend, là. C'était pas grand-chose. 5 piastres max. Même pas être front row, man, ça doit être horrible. Horrible. Bon, donc voici maintenant Abigail Langlois qui interprétera au piano et au chant la fille de Louane. C'est qui la fille devant qui regarde le miroir? C'est qui la fille qui chante devant toi tous les soirs? Je crois que tu sais pas vraiment qui elle est, qui elle est. C'est qui la fille, qui la fille? Si tu la croises, dis-lui que je la cherche partout. Si tu la croises, dis-lui que je sais qu'elle tiendra le coup. Je crois que tu sais pas vraiment qui elle est, qui elle est. C'est qui la fille, qui la fille? Et pour tous les gens que j'ai déçus, pardon, tout s'est pas passé comme prévu. Je crois que c'est le moment de donner plus de moi, plus de moi. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu sais? C'est peut-être un peu loin de la vérité. Est-ce que je fuis? Est-ce que je vis? Est-ce que je sais? C'est que je sais pas vraiment qui je suis. La fille, c'est trop d'énergie, pourtant quand vient le soir, la fille s'effondre, a peur de rester seule dans le noir. Je crois que tu connais la fille que tout le monde a déjà vue. C'est qui la fille, mais la fille rit la journée, tout le monde dit qu'elle est chiante, mais la fille rit, s'en fout, car elle sait qu'elle est vivante. Je crois que je connais la fille que tout le monde a déjà vue. C'est qui la fille? C'est moi la fille. Et pour tous les gens que j'ai perdus, pardon, tout s'est pas passé comme prévu. Je crois que c'est le moment de donner plus de moi, plus de moi. Ce que tu vois, ce que tu crois, pas vraiment qui je suis, ce que je fuis, ce que je vis, ce que je sais, c'est que je sais pas vraiment qui je suis, je sais pas vraiment qui je
suis. Je sais pas vraiment qui je suis. Pas vraiment qui je suis. Faut pas que tu penses que j'étais quelqu'un d'autre. Je suis juste vraiment plus que ce que tu vois. Je suis juste vraiment plus que ce que tu vois. C'est peut-être un peu loin de la vérité. Ce que je fuis, ce que je vis, ce que je sais, c'est que je sais pas vraiment qui je suis. C'était excellent. Honnêtement, j'ai aucun mot. Pour conclure, enfin la soirée. La partie concours sera terminée après cette chanson. Megan Langevin vous interprétera au ukulélé et au chant « Je pars à l'autre bout du monde » de Berries. Mes yeux de jamais vus.
sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Merci. Merci beaucoup, Mégane, pour cette belle conclusion à la partie concours. Donc, dans le fond, j'inviterai les juges à les délibérer. Puis, pendant leur délibération, on va avoir deux numéros. Donc, de Mégane Langevin et Abigail Langlois. Ils vont chanter leur chanson « Coup de cœur ». Donc, je voudrais voir New York d'Étienne Copé, suivi de « When All We Knew Was Us » de Mayfly. J'ai jamais vu New York. J'ai souvent New York dans la tête. Je n'ai jamais vu Rio. Qu'un pain de sucre sur les cartes photos. Je n'ai jamais vu Bangkok. Mais sur tes lèvres, y a des parfums de Chine. Je n'ai jamais vu New York. Jamais vu Delhi, mais j'ai rêvé aux plaines d'Ukraine. Je n'ai jamais vu Bali, comme une flûte qui hante lointaine. Je n'ai jamais vu Jara, mais y a du Sahara dans ton souffle. Je n'ai jamais vu New York.
que je vois le feu qui brûle en toi. Et je n'ai jamais vu rien. Jamais vu Jara, mais dans ma tête y'a un lion qui gronde. Je voudrais voir New York, New York. Pour terminer, nous aimerions remercier tous les partenaires provinciaux, le Regroupement des unités régionales de loisirs et sports du Québec, le gouvernement du Québec, la Fédération des établissements d'enseignement privé, la Fédération des commissions scolaires du Québec et le camp chanson québécois de Petite-Vallée. Ainsi que nos partenaires régionaux, loisirs sports Outaouais, et nos partenaires locaux, MRC Vallée de la Gatineau, les productions Hibou, le Centre d'éducation des adultes, le Centre de services scolaires des Hautes-Bottes de l'Outaouais. De plus, on ne peut passer sous le silence le travail exceptionnel effectué par Guillaume Boisvert et Philippe Laramé, les responsables du programme dans l'école. Et aussi par Lynn Massicotte, notre coordonnatrice générale. Régionale, mon Dieu, excuse-moi.
Un grand merci aux responsables de la salle, aux jeunes artistes, aux jeunes animateurs, aux jeunes techniciens, aux jeunes journalistes et aux jeunes organisateurs. Nous vous remercions, vous, cher public, d'avoir été parmi nous et d'avoir encouragé les jeunes passionnés qui nous ont offert le spectacle de ce soir. Pour terminer en force, j'aimerais que tout le monde nous rejoigne sur la scène, les techniciens, les organisatrices, les journalistes, tout le monde. S'il vous plaît. Voici maintenant Lynn Mascotte, coordonnatrice du programme secondaire en spectacle pour loisirs Sport Outaouais, qui vous présentera les fameux gagnants de ce soir. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Hey, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Lynn Mascotte, je suis la coordonnatrice régionale de secondaire en spectacle. J'aimerais tout d'abord féliciter tous les artistes de ce soir pour leur magnifique performance. Je pense qu'on peut les applaudir vraiment. Bravo! Je tiens aussi à souligner le talent de nos animateurs et animatrices, nos maîtres de cérémonie et aussi l'excellent travail des jeunes organisateurs, journalistes et techniciens. Bravo tout le monde! Donc, la finale régionale de secondaire en spectacle aura lieu du 4 au 6 avril à la salle Jean-Després de la Maison du Citoyen. Les gagnants de la finale de ce soir représenteront donc l'école lors de cette finale régionale, en plus d'avoir la chance d'assister à des formations en art de la scène durant la journée, et vous pourrez gagner la chance de gagner plusieurs prix également. Je tiens à dire que le cheminement des jeunes qui ne seront pas sélectionnés pour la finale régionale ne se termine pas ce soir. Vous avez beaucoup de talent. Je suis sûre qu'il y aura une suite pour vous. Puis vous pourrez probablement assister au rendez-vous pan-québécois à titre de représentant libre. Je veux aussi profiter de l'occasion pour féliciter Philippe Laramé pour son engagement envers le programme secondaire en spectacle. Il a fait un super travail. Guillaume aussi, bravo. Donc, tous les numéros, vraiment, ils étaient d'une super grande qualité. Je veux remercier mes collègues jury, Audrey-Anne, Marc et Natacha aussi. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé avec des lauréats, donc j'aimerais vous les présenter. Est-ce que je peux avoir un roulement de tambour dans la salle? Donc, la première lauréate, c'est Abigail Langlois. Félicitations. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot? Non, merci. Bravo! Alors, le deuxième lauréat, roulement tambour, Mégane Langevin. Félicitations! Veux-tu dire un mot? Merci. Le prix coup de cœur qui va gagner la chance de peut-être faire le hors-concours lors de la finale régionale, donc durant la délibération des juges, le ou la ou les gagnants, les quatre tortues. Félicitations, j'aurais dû faire quatre certificats, mais bon, c'est la vie. Et c'est pas tout, il y a d'autres prix que je viens remettre. Donc, le prix jeune technicien qui va aussi venir à la finale régionale avec nous, Wesley Boileau. Félicitations! Pour les jeunes organisatrices, donc on a Maëlie Monette et Olivia Lacroix. Les deux. Félicitations! Et finalement, pour le prix jeune journaliste, Anne-Sophie Blanchette. Félicitations! Bien, on se revoit tous à la finale régionale pour les gagnants, pour les autres. Vous avez fait du super boulot. Je vous remercie. Puis une dernière bonne main d'applaudissements pour nos jeunes. Bravo, merci! Merci!